Bonjour à tous, repos. Lors des deux premières vidéos, nous avons étudié la frontière germano-polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et durant la Guerre froide. Aujourd'hui, nous abordons la dernière partie de ce jalon, à savoir sur la chute du bloc de l'Est. Petit 3, quelle frontière avec la chute de la RDA et de l'URSS? Je vous rappelle que le 9 novembre 1989 a lieu la chute du mur de Berlin. Pour que vous voyez un petit peu l'impact sur les populations que cette chute a eu à l'époque, je vous propose un extrait du JT d'Antenne 2 du 11 novembre 1989, donc en gros une journée après la chute du mur, puisque le mur tombe dans la soirée du 9 novembre. Il aura fallu 28 ans pour voir cela, une pelleteuse qui entame un mur que l'on croyait indestructible. Une construction laide fichée dans le cœur du monde libre. Même tard dans la nuit, les Berlinois sont venus nombreux. Ils sont venus voir pour y croire. Les débris de ciment ou les morceaux de parpaing qui, jusqu'alors, bouchaient la vue et gâchaient la liberté, ont été distribués comme des trophées qu'on aurait arrachés à un mauvais destin. L'ouvrier au marteau-piqueur est entré dans l'histoire. Chaque poussée de son pic fait avancer la liberté. Au matin, ils seront nombreux, les habitants du quartier, à passer de part et d'autre plusieurs fois pour être bien sûrs. Deux passages supplémentaires étaient ouverts dans la nuit. Premier signe tangible et palpable que quelque chose avait changé. Il y aura aussi ceux qui veulent voir tout cela disparaître, et tout de suite. Des initiatives dénoncées autant à l'est qu'à l'ouest. On passe librement, mais le pays reste divisé et l'heure n'est pas à l'anarchie. Les moyens utilisés par les amateurs montrent d'ailleurs que le mur a la tête dure. Chute du mur, certes, mais les deux États allemands demeurent pour autant. On facilite seulement le passage d'une frontière, mais pas la réunification. La réunification de l'Allemagne n'est pas à l'ordre du jour. Là, je vous renvoie aux différents types de frontières qu'on a déjà vues. On passe d'une frontière fermée à une frontière ouverte, on abat un mur. Elle opposait deux régimes politiques également, comme en Corée, et là elle devient poreuse, donc on peut déjà pressentir que l'opposition des deux régimes politiques semble aussi s'effriter avec la chute d'un mur de parpaing et donc de l'ouverture d'une frontière. La question d'une future réunification de l'Allemagne se pose quand même dans les esprits après la chute du mur. Dans les esprits, pas officiellement, mais c'est dans les esprits. Et inévitablement, la question des frontières européennes se pose également. Écoutons ce qu'en disait le président François Mitterrand lors d'une interview du 10 décembre 1989. Les journalistes qui l'interrogent sont Alain Duhamel, Christine Ockrent et Jean-Pierre Elkabbach, qui sont très connus encore aujourd'hui et en activité, et également le journaliste Serge July. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant, après ce Conseil européen, que l'obsession maintenant chez les Allemands de la question de la réunification ne va pas se trouver sans arrêt à chaque étape, mois après mois, devant les problèmes européens? Mais le problème de la réunification allemande est posé en permanence. Il est plus maintenant qu'il l'était il y a 6 mois. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Peut-être voulez-vous qu'on s'arrête quelques instants pour savoir quelle décision a été prise à Strasbourg. Absolument. Hein? Parce qu'il faut quand même que nos auditeurs sachent de quoi on parle. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de Strasbourg parce que c'était une réunion importante, en particulier sur le problème de la réunification. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas directement la seule compétence de la communauté. Mais avouez que c'est un événement de... une certaine envergure, et qu'on ne peut pas imaginer 12 pays de l'Europe là sans qu'ils en parlent. Ça les regarde, d'autant plus qu'ils sont partie prenante à l'équilibre européen. Mais justement, Monsieur le Président, on a l'impression qu'Allemagne fédérale a réussi, de son point de vue, à obtenir un blanc-seing communautaire pour sa réunification, et en contrepartie, dans cette déclaration, il n'est fait nulle part mention des frontières, et singulièrement de la frontière orientale. Ce que vous dites là, c'est un peu simple. Mais c'est comme ça que les gens réagissent. C'est bien que vous êtes au courant des choses, mais elles ne se sont pas posées comme ça du tout. D'ailleurs, j'ai le texte ici. Hein. Oui, mais pour les Français qui ont parfois mauvais souvenirs... Vous pouvez voir cette feuille arrachée, je l'ai arrachée du document officiel, dont j'avais à donner connaissance à la presse. Ce document véritablement officiel, puis
Alors justement. Bon, mais ça c'est la pièce originale. Et j'ai cerné le paragraphe important. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous recherchons le renforcement d'un état de paix en Europe, dans lequel le peuple allemand retrouvera son unité à travers une libre autodétermination. Ce processus, notez bien chaque phrase, elle est importante, permettez-moi de le souligner. Ce processus doit se réaliser démocratiquement et pacifiquement. Ce sont les deux termes que j'ai employés dès le 2 novembre ou 3 novembre de cette année, à l'issue du Conseil européen de Bonn, lorsque j'ai fait une conférence de presse en compagnie du chancelier Kohl. Ça a été la première question d'ailleurs qu'on m'a posée. Démocratiquement et pacifiquement, dans le respect des accords et traités, ainsi que de tous les principes définis dans l'acte final d'Helsinki, qui comporte le respect des frontières, monsieur Nocrent. Oui, monsieur le Président, les Français... Heureusement que je peux le dire, parce qu'on aurait pu croire le contraire tout à l'heure. Dans un contexte, ça continue, dans un contexte de dialogue et de coopération Est-Ouest, facteur de paix. Dernière phrase, il doit se situer dans la perspective de l'intégration européenne. Pas dit communautaire, européenne. Ce qui veut dire que ce n'est pas la première fois que la première formule, c'est-à-dire celle du peuple allemand, retrouvera son unité à travers une libre autodétermination. Il y a déjà plusieurs documents internationaux qui portent cette phrase, notamment la décision de la réunion de l'OTAN qui s'était tenue à Bruxelles, au mois de mai dernier. Donc ce n'est pas la première fois. Mais à Bruxelles, il n'y avait pas la suite. À Strasbourg, il y a la suite, qui implique que, si l'on peut comprendre et admettre, c'est légitime, que les Allemands aient envie, aient besoin, la volonté de se réunir, ceux des deux États allemands, République fédérale et République démocratique allemande, l'Est et l'Ouest. Il n'empêche que l'équilibre, le nouvel équilibre allemand, ne peut pas se faire au détriment de l'équilibre de l'Europe. On doit préserver toutes les chances de la paix. Et le respect des frontières est un principe essentiel. On s'est étonné dans la presse de ce que, lors du sommet européen du 18 novembre, à l'Élysée, on n'ait pas fait état de l'unification allemande. Et moi j'ai dit, on n'en a pas parlé. Mais j'ai posé la question dès le début de la conférence. Et j'ai demandé à mes collègues, je leur ai dit, de quoi voulez-vous qu'on parle ? Voulez-vous que nous parlions ? J'ai énuméré. Et il m'a été répondu, ce n'est pas la peine de parler du respect des frontières, cela va de soi. Cela vaut encore mieux en le disant. Monsieur le Président. Serge Julli, Alain Duhamel. Au rythme quand même où vont les événements, en particulier en Allemagne de l'Est, et le fait qu'il y ait une élection législative en Allemagne au mois de décembre, le 11 décembre prochain, est-ce que quand même, enfin 90, est-ce que vous ne pensez pas que les deux opinions publiques peuvent finalement, par un jeu d'enchaînement, imposer une réunification de fait de l'Allemagne, indépendamment des précautions qui ont été prises par les quatre alliés vainqueurs de 1945, par les traités internationaux? C'est tout à fait possible qu'ils le décident. Ils devront à ce moment-là tenir compte des traités, ils devront tenir compte des voisins, du voisinage, ils devront tenir compte aussi d'un certain nombre de rapports qui se sont déterminés surtout entre ces pays et l'Union soviétique. Moi, je ne suis pas le maître du monde. Le maître du monde qui décide de l'ordre de l'univers, malgré ce que j'entends dire. Mais malgré ce que j'entends dire dans des émissions plaisantes le soir. Non, je ne suis pas celui qui détermine les mouvements des peuples. Dommage, je vous remercie. Mais ce serait peut-être un excès d'ambition. Ce que je veux dire simplement, j'aurais bien des soucis. C'est que s'il y a des forces de ce type qui se décident, il faudra les regarder en face, mais il faut aussi que nos amis allemands tiennent compte du fait qu'il va exister une guerre mondiale, que cette guerre mondiale a dessiné une certaine configuration de l'Europe, qu'on réclame la démocratie et la paix. On demande aussi que les frontières de l'Europe fixées à cette époque ne soient pas bouleversées, parce que l'ouverture de ce débat, vous savez bien, vous connaissez la carte de l'Europe, il y en a beaucoup d'autres. Qu'arrivera-t-il, par exemple,
des provinces, Poméranie, Silésie, Masurie, et même un bout de Prusse orientale qui est devenu soviétique. Et les autres, les trois premières que j'ai citées, qui sont devenues polonaises. Qu'en viendra-t-il ? Il est bien clair que la frontière oder-neisse, qui est la frontière entre la Pologne et l'Allemagne de l'Est, doit rester intangible. Voilà. Et puis, il y a la contagion. Vous connaissez le débat entre la Roumanie et la Hongrie sur la Transylvanie. Est-ce que je dois vous parler de la Moldavie ? Non, ça fait partie de l'ensemble et du jeu. Je les intéresse là-bas. Il y a des conflits de frontières partout. Monsieur le Président. Dans cette interview, dont je ne vous ai proposé qu'un extrait, certes un petit peu long mais très parlant, il y a plusieurs choses à retenir de la part de ce que nous apprend le président Mitterrand. Premier point, toute l'Europe est concernée par cette question des frontières des deux pays allemands. Ça, ce n'est pas une nouveauté pour vous, je vous ai toujours dit que les choses se faisaient toujours à plusieurs échelles. La deuxième chose, c'est le rappel des frontières, du respect qu'on doit aux frontières qui sont déjà établies, le but étant la stabilité des autres pays. Toucher à une frontière, c'est prendre le risque de bouleverser toute la région, tout l'ancien bloc de l'Est. Troisième point, la promotion du dialogue et de l'intégration européenne. On ne cherche pas la guerre avec la chute du bloc de l'Est, on cherche au contraire la paix, donc le dialogue. Et enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai gardé la vidéo jusqu'à ce moment précis, puisque vous avez dû entendre Christine Ockrent parler de l'Europe des nationalités du 19e siècle. Normalement, ça doit vous dire quelque chose, puisque c'est du tronc commun que vous avez vu en première, et j'en ai déjà fait mention lors de la première vidéo de ce jalon. Effectivement, ce sont les sentiments nationaux des différents peuples européens qui renaissent grâce à la chute de l'Union soviétique. On espère, dans tous ces pays, pouvoir avoir un État par nation, contrairement à ce qui avait été fait durant toute l'histoire soviétique. On verra que ça va être beaucoup plus compliqué que ça par la suite. La chute du mur de Berlin entraîne de nouvelles perspectives pour l'Europe. Il n'est pas au départ question de réunification, mais finalement la réunification va se profiler en Allemagne. Le 12 septembre 1990 est signé le traité de Moscou, qu'on appelle également le traité 2 plus 4. Pourquoi ? On va faire signer pour ce traité les quatre vainqueurs de la guerre, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, ainsi que les deux États allemands, puisqu'ils sont toujours distincts. La frontière établie entre l'Allemagne et la Pologne est considérée définitive et elle ne pourrait être modifiée qu'avec l'accord de ce qui est encore l'URSS, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, ce qui semble en fait impossible, on ne se mettra jamais d'accord pour revoir cette frontière. Je vous lis maintenant un extrait de ce traité de Moscou. Je vous lis en fait le premier article de ce traité. Alinéa 1. L'Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d'Allemagne, de la République démocratique allemande et de l'ensemble de Berlin. Ces frontières extérieures seront les frontières de la RFA et de la RDA et seront définitives à partir de la date d'entrée en vigueur du présent traité. L'Allemagne unie et la République de Pologne confirmeront la frontière existante entre elles par un traité ayant force obligatoire en vertu du droit international. Vous voyez que l'Allemagne n'est toujours pas unie, mais qu'on projette déjà l'unification de l'Allemagne et qu'ensuite ce traité de Moscou devra être entériné par le nouvel État allemand avec la République de Pologne. Finalement, la réunification tant attendue arrive le 3 octobre 1990. La RFA est désormais souveraine sur tout le territoire et gère donc la frontière polonaise. Ce qui était auparavant l'Allemagne démocratique et l'Allemagne fédérale devient uniquement la République fédérale d'Allemagne. Cette RFA accepte de ne plus revendiquer l'est de la ligne Oder-Neisse. En fait, on fait des concessions. Et le 14 novembre 1990, la frontière établie entre les deux pays sur la ligne Oder-Neisse est ratifiée par les parlements, le Bundestag allemand et le parlement, la Diète polonaise. En 1991, donc, quelques mois après le rétablissement de l'Allemagne unie.
Conclusion de ce jalon sur la frontière germano-polonaise. Je vous rappelle la question de départ. Pourquoi la frontière germano-polonaise est-elle en débat entre 1939 et 1990? Il y a plusieurs choses qu'on peut redire, puisqu'une conclusion, c'est la répétition et la synthèse de ce qui a été développé auparavant. C'est d'abord, première chose, l'histoire ancienne d'une frontière, la culture polonaise qui veut se défendre après avoir été niée au XIXe siècle. La Pologne est réapparue à la suite de la Première Guerre mondiale et donc elle entend bien se faire respecter. Il y a également des enjeux plus pragmatiques, des enjeux économiques, l'accès à la mer Baltique, puisque vous le savez, grâce au tronc commun, entre autres en géographie, l'accès à la mer est indispensable si on veut commercer avec le reste du monde. Troisième chose, on constate qu'il y a plusieurs peuples dispersés dans un même territoire. On a des minorités polonaises et des minorités allemandes. La question qui s'est posée à ce moment-là, quand il a fallu redessiner ses frontières, c'est à qui doivent appartenir ces territoires. Et puis, il y a un enjeu à l'échelle plus large, l'échelle de l'Europe. La fin du bloc soviétique, donc dans les années, début des années 90, multiplie les frontières. Il faut donc rediscuter celle de la Pologne et de l'Allemagne, ce qui risque d'ouvrir des conflits dans d'autres pays européens, comme le dit Mitterrand dans l'interview de 1989. Et en fait, il a eu raison, puisque après coup, ça a été effectivement le cas. La Yougoslavie, qui est un pays qui a été créé en 1918, donc également à la fin de la Première Guerre mondiale, est déjà réduite en 1992 et disparaît officiellement en 2006. La Tchécoslovaquie, quant à elle, est également créée en 1918 et elle disparaît dès 1992. Donc on a effectivement des conflits autour des frontières et de l'identité des peuples qui composent un État. Aujourd'hui, il y a moins de tensions. Pourquoi il y a moins de tensions sur cette frontière ? D'une part, la libre circulation dans l'Union européenne permet d'apaiser les frontières, puisque la frontière n'est plus un lieu qui peut être fermé, quoique en ce moment c'est un peu différent, mais en tout cas entre les peuples européens, la frontière n'est plus un lieu de fermeture, mais un lieu de passage. Forcément, ça diminue les tensions. Et puis la deuxième chose, je finis l'article que j'ai commencé lors de la première vidéo, l'article de sciences humaines combinées. La signature du traité de Varsovie est vécue comme une véritable trahison par les expulsés, ça, on l'a vu la dernière fois. Le tournant de 1989 est plus radical encore. L'unité allemande étant subordonnée à la reconnaissance de la frontière germano-polonaise, un traité portant sur la reconnaissance de la frontière, 14 novembre 1990, est signé de même qu'un traité de bon voisinage entre la Pologne et l'Allemagne, 17 juin 1991. Depuis l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, il est devenu naturel pour les Allemands de voyager en Pologne. Ainsi, le traumatisme de la perte des territoires de l'Est peut être partiellement surmonté, non par la disparition, mais par le dépassement des limites que sont les frontières. En rendant les frontières perméables, les États européens s'ouvrent les uns aux autres et les populations partent à la rencontre les unes des autres. Enfin, c'est ce qu'on a déjà vu dans l'extrait que je viens de lire, on peut le percevoir, en tout cas, il y a une volonté des populations et des autorités officielles, politiques, religieuses, etc., de se réconcilier après la chute du bloc de l'Est. Je vous lis maintenant un nouvel extrait d'un article de la revue Pouvoir de 2006. La Fédération des expulsés est un groupe hétérogène qui regroupe des associations allant de l'extrême droite à des modérés, voire des sociodémocrates marginaux. Surtout, les descendants des expulsés allemands, car le statut de l'expulsé peut se transmettre de génération en génération, se sont pour partie engagés en faveur de la réconciliation germano-polonaise en se rendant en Pologne, en lançant des jumelages et en soutenant des projets de rénovation de patrimoine. La minorité allemande de Pologne, forte de quelques centaines de milliers de membres, dont l'existence avait été niée par des régimes communistes au nom de l'homogénéité ethnique des territoires recouvrés, passée sous l'administration polonaise suite au traité de Potsdam, avait été reconnue et disposait d'une représentation au niveau local, mais aussi au Parlement. Le président Roman Herzog avait publiquement présenté des excuses au nom du peuple allemand à l'occasion du 50e anniversaire de l'insurrection de Varsovie,
pour les crimes commis par l'Allemagne nazie pendant la guerre sur les territoires occupés. L'année suivante, le ministre des Affaires étrangères polonais, l'ancien résistant Władysław Bartoszewski, avait exprimé au Bundestag les regrets pour les souffrances subies par les expulsés allemands. D'innombrables déclarations officielles des deux côtés se référaient à la lettre ouverte des évêques polonais à leurs homologues allemands de 1965, dans laquelle ils avaient inclus la célèbre formule « Nous pardonnons et nous demandons pardon ». Les travaux historiques s'inscrivaient dans ce même mouvement. Il y a donc des efforts de paix et on peut dire qu'aujourd'hui la frontière est pacifiée, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo que vous avez sur l'écran. En synthèse, trois idées principales à retenir pour ce jalon sur la frontière germano-polonaise. D'une part, des affrontements pendant la Seconde Guerre mondiale, d'autre part des négociations pendant la guerre froide autour de cette frontière, et troisième chose, des négociations ou des affrontements qui ont toujours des conséquences sur les populations. Finalement, dans un effort de paix, on accepte l'héritage de l'après-guerre et on conserve cette frontière aujourd'hui. Alors les frontières aujourd'hui, vous savez, elles sont quand même surveillées dans les temps qui courent particulièrement évidemment, puisqu'on fait attention à ce que le virus ne circule pas. Et donc on a, bien que n'ayant pas de limite normalement entre les pays de l'Union européenne, on a quand même des limites au niveau des frontières extérieures de l'Europe, ce que l'on verra dans le dernier axe de ce thème sur les frontières. Et ben, ces frontières, elles sont gardées par des forces de police. Je vous rappelle, hein, le grand philosophe Ludovic Cruchot, « La gendarmerie est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. » Voilà pour aujourd'hui. Pour le prochain jalon, la question frontalière sera d'une autre nature, puisque on traitera de la frontière dans un endroit où elle ne peut pas exister, la mer. D'ici là, rompez. La 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 la.